Bonsoir à tous, ici Miss Zen pour l'épisode 11, non 12, qui s'est très bien compté Miss Zen. Donc l'épisode 12 de Deus Ex, on se retrouve devant l'hôtel Hilton, où... Apparemment... Bref. Et surtout en fait, où je suis censé retrouver mon frère... Qui a foutu la merde dans l'UNETCO? Voilà. He's not my boyfriend. Then what is he? He's Jojo. God! I don't like him staying in my hotel. Then evict him. How'd you get mixed up with someone like that in the first place? Jesus, Dad, do you expect me to do it? It's your hotel. I just don't want any trouble. Then get used to it. Jojo's the boss on this street. Nothing anybody can do about it. Mind your own business. What's the trouble? None of your business. One of the neighborhood thugs, Jojo. He thinks he owns the block. I can straighten him out. Just tell me where he is. I get some rough people in here, but this guy, I don't know, he's jumpy. He's just a punk. I'll take care of it. Can you help me out? Could really use a gun for protection. Pas bien, mais... C'est un pistolet furtif, quoi. C'est chaud à retrouver et... C'est un des seuls trucs qui soit à la fois létaux et... J'irai la fléchette d'arbalète, mais bon, c'est trop chiant. You can have my stealth pistol. That'll keep you safe. Thanks. That'll help. You aren't gonna shoot nobody. Jesus! Be careful with that. You're... I hope I don't have to use this thing. You're gonna get him killed. Ouais, j'aurais peut-être pas dû, hein, vous me direz. Jojo n'était pas noté que... Oh, 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 oh! Je l'ai tué, calme-toi, calme-toi, du calme, du calme. Ça va aller, mon gars, ça va aller. We got him. I was hoping I'd run into that punk. I can't believe you shot him. I won't stand by and let somebody treat you like that. Oh, that's just Jojo. He talks big. I think he'll be happier without that guy around. Now maybe you can stay home for a while. Dad. Or at least stick around the hotel. I just want to know that you're safe. I don't know, maybe. Give it a try. I promise I won't cramp your style. Maybe I'll stick around until I get on my feet. I'd love to stay and chat, but I've got to get moving. Guess this place isn't as bad as the warehouse I've been sleeping in. I'm glad that's over. Bon, j'ai tué Jojo et je retrouve un stealth pistol. Je vais juste jeter ça là. Moi, je peux pas fermer cette porte. Merde, c'était quoi?
C'était ça. Un truc amplificateur. Salut Jésus, donc Pedenton et Caméléon. Mettre Jojo ici. Ça, il y a juste un peu de sang de Jojo qui est ici, ce qui fait qu'ils vont commencer par se poser des questions et ensuite ils vont finir par se rendre compte que c'est un bâtard. Ok. Maintenant, Paul, pourquoi ? Non, Paul. Is this kill switch real? What's it going to do to you? I'm afraid. Well, come on. Merde. I've heard talk about a police raid. Maybe they know you're here. You've got to have God clearance to know. The nanites can be programmed for exponential. There's a chopper that can take us to Hong Kong. Merde. You know, Jock. First, désolé, ça m'a de cliquer sans faire exprès. I need to send the NSF distress code. UNATCO tracked Lebedev to the other NSF bases. Revenons en arrière, mettez pause, si vous voulez savoir. Go on. UNATCO takes payoffs. Silhouette, the other terrorist groups, they're our allies. I'm prepared to believe you. I killed Agent Navarra, and I'll join you against UNATCO. Mais ça, il faut des preuves, pas un faux. You want proof? Pay a visit to the NSF headquarters. Down in the basement, protected by booby traps, a data cube sits on the edge of a table. My report to the militia leaders. Here, I have a photograph of the building. It's a couple blocks to the west behind vers l'ouest, derrière le bar. And I suppose while I'm there, you want me to encrypt a signal with the NSF transmitter. Bypass UNATCO SIGINT. A lot of people could die. My friend Chad, for example, the leader of Silhouette. I'll check out the facility, but I can't promise I'll help the terrorists. Be ready to leave for Hong Kong when I get back. I'll be ready. Hey, you might check in with Smuggler too. You'll need some extra firepower if UNATCO catches you snooping around. His place is to the northwest of the hotel near the subway station. He expects the password Bloodshot. Thanks. I can always use more hardware. C'était où déjà, bon, on verra bien. Dans un enfer. Faut aussi que j'aille voir le smuggler. Donc il est par là-bas. Yes. Password. Bloodshot. Wow. J'économise la moitié de mes décodeurs. I've heard talk of a raid on the town. You must be JC. Oui. How do you know my name? I heard about your brother in the NSF. Is he still in New York? Yeah, he's in some trouble. UNATCO's got this place nailed down. He's dead if you don't get him out of the city. Maybe I can help you out with some hardware. Like what? I have an extended clip that'll fit most handguns and rifles for 1500 credits, a range weapon mod for 2400, and a napalm canister that fits most flamethrowers for 2250.
cher, ce saloperie. Combien d'argent? J'en ai pas mal. This is what I've got. Ça me fait mal au cul, mais ouais. Yop. Si je sauvegarde, je pirate tout ça. Non, pourquoi? Je vais faire vite, ok, y'a rien d'autre. The best thing is to stay out of your neck, old boy. Yeah. Encore deux. Moi, je suis plein de toute façon. Après, je vais finir par en trouver d'autres. Je vais pas savoir comment faire. Alors... Ah tiens, encore des améliorations. C'est magique. Et c'est quoi un truc quand tu recules? Bah ouais, c'est quand même. Donc à faire, je me prends aussi la protection par balle, comme ça si je l'ajoute à mon blindage. Je vais être immortel. C'est plutôt à vérifier ce qu'il y avait là, mais ouais, ok. Ok. Ça, c'est quoi ça? Et on voit pas plus derrière. Hein? Il semblerait que ce soit des caisses. Donc je passe partout, c'est des électriques et décodeur. Écoutez, ok. Puis pour ceux que leur coûte encore plus cher. Donc. D'accord. Je sais pas si vous avez bien lu, mais... Regarde les conversations avec Paul, tiens. Dans la cave protégée par des pièges sur le bord d'une fosse qui se trouve en amphicu. Le QG des NSF, oui, c'est ça, ouais. Ça va, elle est pas trop répétitive cette ligne. En fait, il suffisait de se prendre. Salut. I thought they were shipping you off to Hong Kong. Had to pack a few things. What's going on here? Damage control. The NSF got their hands on some pretty sensitive material. Probably had something to do with my two-faced brother. Nothing we can't clean up. Mind if I take a look around? Go right ahead.
account information Lebedev sent me. One of our agents who tried to send the signal but got run off left the data cube in a secret area below the garage. Look for a hatch under some boxes. A computer on the third floor can unlock the hatch. Pas des passages vers le sous-sol Ils sont dégagés. Erin. Dédicace à Fouton 0. Je vais où je veux, t'as joué, petit con là. Je vais chercher la biocombe. Aïe! Raté le toit de la caisse. Non, c'était un état de son. Et en plus, je suis pas doué. Plus du tout des mots de passe. What? Ouais, c'est assez rapide en fait. Je vais d'abord vérifier les mots de passe puis mettre la combi. Hein. T. Jefferson New Revolution. Ouvre-toi. Non. Oh, j'étais con. J'étais complètement con. Est-ce que je suis mauvais joueur? Non, je suis très bon joueur. Oh la connerie. Tiens, pour la peine je vais le remettre, voilà. J'ai l'autorisation de faire ce que je veux, ok.
Ouais, je vais pas refaire la connerie de sauter. Voilà. Oh, et merde. Ici, il y a un terminal de sécu. Mais la prochaine ce sera non pas ça max, ce sera juste d'augmenter ça je pense. Bah peut-être que le T-Jefferson et New Revolution auraient fonctionné pour le coup, mais... Bon, comme ça, moi, ça me permettra de désactiver les caméras, tout ça. Ok. Ultra dangereux cette saloperie. Ok. Je verrai ça après. D'accord, c'est quoi ça? Ok. D'accord. Ouais mais non. Ouais non. Non, vraiment non. Bon. Très bien. Mais ça nous apporte quoi tout ça en fait?
J'espère que ça va bien. Et voilà. Voilà, et en plus, ça me fait tousser. Bon, enfin, éternuer. Parce que niveau toussage, c'est plutôt moyen. Ok. Je vais passer par là. À la limite. Encore les passe-partout. Heureusement que j'ai commencé à me dire que je m'en foutais parce que bon. Et heureusement aussi que j'ai amélioré au moins d'un point le crochetage. Bon. C'est fermé. Pourquoi c'est fermé? Pourquoi c'est putain de fermé? J'en ai marre de ma vie. J'en ai trop marre. Ici. Bon, ici, voilà, fermé. Je vais log out et utiliser le. Déjà, qu'est-ce que je fous aussi pour moi? Jefferson et c'était quoi? C'était New Revolution. Imaginez. Cette porte là. Mais donc c'est ouvert. Vous allez pas vous foutre de moi en plus, hein? Vous allez pas vous. Vous allez pas vous foutre de moi. Il y a deux trucs de pénétrance. J'en ai marre de jouer à de l'empilement de caisse. On va jouer autrement nous. Oups. Quelle était la touche pour changer de munition? Moi je me souviens plus très beaucoup. C'est incroyable ça. Ah bah, d'accord, j'étais en train d'écrire de la merde. TT apostrophe apostrophe ah. Ouais, il semblerait que ce soit qu'une touche de rechargement basique. C'est pour tirer ça, mon cher ami. Écoutez, je vais changer de flèche manuellement. Okay.
Voilà, bon, et laser. Très loin. Et espérer ne pas mourir trop tôt. Mais là, je vais prendre cher. Ouch. Oh, ça passe. Et donc là, c'est ouvert. Non. Donc ça c'est quoi? Oui, ça c'est fermé à clé. Écoutez, à la limite, je vais faire ça. Aïe. C'est vrai qu'il y a ça aussi qui libère du gaz là. Mais... très loin de moi. C'est la peur que ça me fait, ces trucs de TNT là. Oups. Ah bah oui, c'était ça, c'est pour ça que je voulais le faire en premier, c'était pour laisser le gaz se dissiper. Bon, lui il me fait peur. Bah, l'autre me faisait peur déjà, mais... une blague, ça. C'était une motherfucking joke. Je crois que j'ai pas trop pris cher. Je me permets d'avoir... Oh, il y a une matraque électrique, là. Il y a de la place, il y a une matraque électrique. La précision, là, combien? Parce que j'ai dû pas mal l'augmenter. Précision à 80%. D'accord. Ah oui, je remets. Pêchette tranquillisante. Plus tard. Très bien, et donc ici il y a quoi? Une biocombe. Et des roquettes spéciales en plus des roquettes normales. Bah, c'est très très bien. Une pêchette perdue. Mais c'est tout en fait, puisqu'on peut les sauver. J'entends même des lasers pas très loin. Une équipe là. Ah bah non. Très bien. Je me serais résolu à ne pas le faire, mais c'est juste en fait pour savoir. Donc du coup je vais sauvegarder, je vais le faire histoire de savoir, mais même si ça marche, je vais recharger pour... parce que de toute façon, à la base, je ne vais pas le faire. Mais oui, ça marche. Super. En fait, ces trucs-là peuvent se péter. Et vous le saurez si vous achetez ce jeu, ce que je vous dis. Et donc ça, il y en a un peu cube. Je te rends ce message de la tête. Et puis Paul, ensuite je vais lire l'info. Ok. En fait, il aurait suffi. Bon, c'est pas grave. Ah! Jeter toutes ces poubelles à la poubelle. À la poubelle. Hey! Qu'est-ce que je voulais faire? Just keeping busy. Oh, soupe.
Ça merde un peu, alors tu comprends? Ok. Et... sans doute remonter du coup, hein, on va pas se mentir. J'ai l'impression de faire ce que je veux, je t'ai dit. Tout calme. Parce que moi, je veux un nouveau coup de terre. Spray. Vas-y, viens. Attends. Moi, je veux pas te voir. Oui, mon gars. Vas-y, moi je te regarde pas. Hein? T'es parti où? Ok. Je vais m'écouter. On va pirater cet ordinateur. J'avais les mots de passe, non? M. Collins Révolution. On va à la salle de Tom. Et en fait, on va se quitter juste avant d'ouvrir cet ordinateur et d'envoyer le mail. Qui compile toutes les données à nos amis de la NSF. Voilà. Donc c'était Jésus-Christ, l'ancien agent de l'ancien agent antiterroriste, qui vient de signer son arrêt de mort.